Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. De mon côté, ça va nickel. Normalement, on se retrouve donc pour l'épisode 22 de notre challenge Échappée Magique. Et c'est censé être le dernier. Je dis bien censé. Parce que voilà, on ne sait jamais comme, ce qui va se passer, hein, comme à l'épisode dernier. Là, cet épisode risque de durer un peu plus longtemps, du coup, puisque. Oh, pardon. Puisqu'on a pas mal de choses à faire. Déjà, elle va aller se balader un peu donc dans Sulani, essayer de trouver des coquillages, etc. Peut-être trouver en même temps une petite activité qu'elle pourrait faire avec Edouard, histoire qu'il se retrouve un peu. Puis après, c'est rentré, et puis là, on va charbonner. C'est parti. Donc là, ils sont tous les deux tranquilles dans le jacuzzi. Normalement, elle vient de se souvenir du jour de mariage. Est-ce qu'on a des coquillages? Telle est la question. Alors, on a des piafs partout. Mais qu'il faut muse dans l'eau d'ailleurs. Vous imaginez, vous avez une baraque là. Genre vous avez un. Comment ça s'appelle? Une sorte de rond-point. Ce serait nickel. Ah, elle sort. D'ailleurs, est-ce qu'on a du poisson? Elle a même pas installé. D'accord. Je suis à la recherche de coquillages. Puisque en sortant du coup du resto, j'en ai trouvé un. Ici, coquille de Fasciolaria tulipa. Mais je pense qu'elle va aller sûrement me les chercher en fouillant le sable là. Ah, j'espère qu'elle va vraiment trouver pas mal de coquillages. Hein. Attends, on va avoir par contre de super belles photos. Ça. Oh, ça va être trop beau. Ah bah tous les œufs sont gâtés. Oups. Donc, on a une coquille de Luna. Luna machin. Et visiblement, j'ai pas mis de poubelle dans. dans la maison. Super! Je peux pas les vendre. Oh si! Oh. Attendez, on peut vendre des œufs gâtés. Clairement. Donc là, on a ça. Est-ce que ça fait augmenter la collection de coquillages? J'aimerais bien voir. On a les œufs, ça va être chaud. Ouais. Et on en a 13 donc à trouver. Il y a des trésors enfouis aussi? Oh. Sans vous ne trouverez pas de pose plus gracieuse que celle qu'a Jeanne hein, pour chercher. Qu'est-ce qu'il m'appelle lui? Alerte, oui, on est prêt, ça c'est bon. On est rodé maintenant pour les tests, hein. Jeanne, bah, il a. Comment ça va, Jeanne? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment, mais ça se termine dans un jour, ok. Attendez, on va faire une sorte de petit récap, comme quand ils étaient. Comme juste après leur mariage, ils ont fait la balançoire. Mais en vrai, il faudrait trop qu'on en fasse. Ce serait trop cute. Après, les gars, vous êtes en maillot de bain, donc prendre des parapluies. Bon, vous n'êtes plus à ça près. Hein. Edouard, je sais pas si on a bien fait t'épouser. Hein. Mais il veut pas. C'est à cause des plantes derrière ou quoi? Ou c'est parce qu'il est planté? Hein. Bah, je pense que c'est à cause des plantes. Parce que si elle essaye peut-être sur celle-là, sur un malentendu. Ne t'y assois pas. Zou! Elle va aller se faire bronzer. Un maillot de bain. C'est dommage que j'ai pas mis de deuxième serviette là. Quoique, bon, attendez. Edouard est plus sophistiqué. Lui va aller. Pourquoi? Il y a trop de nuages pour se faire bronzer. Mouais. Enfin, par contre, là, tu peux te faire bronzer. Tu peux plus te faire bronzer. Alors, non, cocotte, s'il te plaît, tu vas continuer à chercher des coquillages. Ça serait bien après qu'ils fassent une sculpture tous les deux. Sculpture de sable, on va voir ce qui nous en sort. Par contre, madame. Ah, elle a du mal à me sortir les coquillages, hein! Je sais pas si on arrivera à finir les collections. Ah, on a les esprits des îles. Attendez, je vais tester. Communier avec les esprits. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Elle partait sur une tortue? Ah, bah, une tortue. Ils sont pas chouks tous les deux, l'eau. Pourquoi chaque fois que je reprends des photos, tu pars, toi? T'es dingue, hein? Ok, bon les esprits évidemment sont partis, c'est super. Alors, peut-être que là elle a trop fouillé, elle va peut-être aller fouiller là pour les coquillages. Ouais, j'ai cru que c'était une tête de baleine. Ah mais attendez, il y a une cascade, enfin une cascade, une grotte normalement. Ouais, c'est pas dans notre coin, faudrait qu'elle se déplace après. On va aller à la grotte quand même. Une coquille Saint-Jacques, pourquoi il est effrayé? Parce qu'il y a des orages? Aïe. Madame, vite. Dans 1h35, ah tant pis. La nourriture qu'on avait, à mon avis, elle va. Ouais, ce sera trop tard. Non mais ah, arrête, tu veux absolument. Ça, si on peut enlever, franchement, l'utilisation automatique des parapluies, ce serait vraiment bien. Donc, de souvenir, la grotte, ouais, elle est là-bas. Mais on va aller sur. Ah bah, dis donc, il y a du monde dans le bateau!
Ok, alors on y est. Je jure, les parapluies ça va me saouler. Bon, elle va aller explorer direct. Hein. J'ai pris Edouard, je vous avoue, je sais pas trop ce qu'il va faire. Oh, attendez, il y a quelqu'un de mort. Attendez, il faut qu'on sache. Il est mort de quoi? Après, je le ferais bien pêcher, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Par contre, ça me donne pas vraiment envie hein, là, pour le challenge. Ah, ça commence à être sale par ici. Ça donne pas vraiment envie hein, pour le challenge du coup de Perfect Life de se mettre ici. Hein. Si le temps il est tout le temps comme ça, il est pitafifide. Ah. Ouais, j'aimerais bien aller le faire pêcher, mais j'ai peur qu'il mourût. Allez, madame! Vers Luisant, je viens d'explorer une partie non répertoriée de la grotte quand elle est tombée sur un spectacle magnifique, quoique un peu troublant. Des milliers de larves brillantes recouvraient les murs de cette grotte secrète. Alors que Jeanne hésitait entre profiter du spectacle ou partir, un tintin insecte grouillant lui tombait sur la tête. Le spectacle de Jeanne courant dans la grotte avec des insectes tombant de son cuir chevelu a dû être inoubliable, même si malheureusement personne n'était là pour y assister. Bah, malheureusement, heureusement. De quoi voir ce qui se passe. Non, me dites pas qu'il y a encore quelqu'un qui meurt. Hein. Ah, c'est bon! On est deux hommes là qui sont en train de mener leur meilleure vie. J'ai peur du coup qu'à tout le moment il y ait quelqu'un qui meurt parce que pourquoi voir ce qui se passe? On en a une qui court là-haut là. On a les deux gars là. Je vous jure par contre j'ai tellement peur qu'ils se prennent un coup de jus. Là elle a des dauphins joueurs. Dans un moment de silence entre ses pas qui résonnaient, Jeanne a entendu le son distinctif de dauphins s'approchant d'elle. Enthousiaste à l'idée de voir des dauphins dans la nature, Jeanne s'est dirigée vers l'origine du bruit. Un groupe de dauphins jouait dans l'eau d'une grotte, se lançant en amas d'algues et jaillissant de l'eau en faisant des sons merveilleux. Très vite, les dauphins ont remarqué la présence de Jeanne, mais au lieu de fuir, ils l'ont fait participer en lui lançant l'amas d'algues et en attendant sa réaction. Avec un peu d'appréhension, Jeanne leur a relancé les algues et s'est rapidement retrouvée totalement intégrée au jeu des dauphins. Au bout d'un moment, les dauphins ont commencé à partir, non sans avoir d'abord offert à Jeanne un poisson qu'ils avaient attrapé. On peut chercher des coquillages ensemble? Oh, c'est cool, ça je savais pas. Voilà, s'ils cherchent ensemble, on a deux fois plus de chances du coup d'avoir d'avoir de quoi. Je vous avoue que là, ouais, le terrain, faf, la météo, ça me donne pas envie de rester. Une coquille Saint-Jacques, oui mais madame, vous avez déjà. On va essayer de... Ah, coquille d'oursin, ça n'en avait pas. Et elle, bah, j'aimerais qu'elle continue à chercher. Voyons. Allez, partir faire de la plongée. C'est vrai que n'empêche, on peut trouver des coquillages en faisant de la plongée. Mais elle a pas le niveau. C'est bientôt l'anniversaire de Nathan. Ben, en vrai, on va rentrer. De toute façon, je vais la faire continuer, continuer, continuer. Demain, on rentre, on a l'anniversaire du petit. Voilà. Faire de la plongée à minuit. Je vous dis pas la température. Déjà en mars, apparemment, l'eau est à 12 degrés. C'est bien, elle sera niveau. Ouais, elle sera pas niveau 2. Comme ça, elle va faire ses besoins. Enfin, ses besoins. On s'entend. Ok. Du coup, elle va vite manger. Je jure que... Je me souviens que quand je faisais cette maison-là, j'avais tellement envie de pouvoir avoir un pack avec les hôtels. Je sais qu'il y a un mode. Après, c'est vrai que tant qu'elle est là, après, elle a de l'énergie. En vrai, elle mange. Il faudrait qu'elle avance la compétence charisme. Parce que l'écriture, là, ici, elle peut pas. L'arboristerie, non plus. D'ailleurs, j'ai vu le charisme. Alors après, j'ai peut-être ajouté dans un épisode précédent, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand j'ai repris mes règles pour voir ce que j'avais déjà validé et ce qui n'était pas validé... Ah, cuisine gastro. D'accord, je ne savais pas. C'est vrai que je n'avais pas pris le charisme en... Comment dire? J'arrive plus à parler, mon dieu. Et ils sont en vacances. Alors, elle va lui réciter des poèmes d'amour. Elle va lui proposer un massage. Parce que c'est une femme aimante. Plus proche grâce à des souvenirs heureux. Plus chaleureuse après un moment de détente partagée. Cuisine ensemble. Et ouais, en adoration. D'accord, lui il a juste cuisiné ensemble. Waouh. Super le gars. Eh ben d'accord. Voilà, nous on sera comme ce toutou qui regarde les bateaux au loin partir. Pendant que messieurs dames font leurs affaires. J'aimerais bien qu'il fasse un peu de baby-foot en vrai. C'est vrai que j'ai jamais vu ça. Décide de faire du baby foot. Enfin, dans mes propres parties, je veux dire. Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est bien. Ah, monsieur était parti dehors. Et je pense qu'après cette partie de baby foot, du coup, ils vont rentrer chez eux. Allez, qui c'est qui va gagner? Ah bah oui, madame. Non, alors, il y a un petit problème de balle. Ouais, faut bouger les personnages avant. Alors, on suit la baballe. Eh, c'est tendu, hein.
Ça passe de l'un à l'autre, là? Je sais pas si... Parce que j'aimerais au moins avoir un but, quoi. Vous aussi, dans votre enfance, vous en avez fait? Genre, au clay, là. Je me souviens encore l'odeur des balles, vous savez, en liège, là, ou je sais pas quoi. Bah, allez, il s'amuse, là. Elle va aller prendre une chudou, un bain. Allez, avec un mélange, pourquoi pas. Elle va se prendre aux agrumes, cette fois-ci. Pendant que madame, là, est ultra tranquille. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, par contre, mais du coup, tous ceux qui passent dehors, ils peuvent voir. Voilà, c'est la vie qu'ils ont décidé de mener. Ça va, tu fais ton sport, là? Allez, et je pense que du coup, ils vont rentrer, parce que quand même l'anniversaire de leur enfant. Ok, donc ils sont de retour à la maison. Hop là, et de souvenir, donc c'est bien l'anniversaire, ouais, de Nathan. Donc elle va aller direct à... Ah oula, on rentre, on commence à faire les bêtises. Allez, hop. Donc elle va aller directement faire un gâteau d'anniversaire. C'est vraiment... C'est vraiment, c'est comme deux univers. Enfin, on est passé des... Ouais, je sais pas, d'un coin vachement ensoleillé. Enfin, non, pas vachement ensoleillé. Mais vachement bleu à un espace vachement vert. Je vous avoue quand même que j'aime tellement ce genre d'ambiance, là. Pour ça, je sais pas, j'hésite. C'est vrai que Sulani, j'ai pas fait grand-chose. Et Tardoza, on a le challenge milliardaire. Ou millionnaire. Enfin, le challenge, là. Qui est en pause. Et j'hésite justement à mettre dans le 100 Baby Challenge la seconde génération à Tartosa. Donc, je sais pas. Je suis en plein dilemme avec les villes. Parce que j'aimerais un truc ensoleillé, quoi. Wow. Ou alors on va le faire dans Moonwood Hill, là. Je crois que c'est. Enfin, dans la map des loups-garous. Mais il y a des pépins partout. La gosse récalcitrante. Non, alors j'aimerais que tu mettes des bougies. Merci. Et là, comme ça, on va voir à quoi ressemble Nathan. Va falloir lui changer la chambre aussi. Aider à souffler les bougies et Nathan. Très l'argent qu'elle se fait, elle n'empêche. Non, on a doodle. Les cheveux, les yeux, c'est... On verra quand il va grandir, hein. Enfin, quand il va grandir. Trop contente quand même de l'avoir trouvé doodle. C'est vrai qu'on voit pas trop les animaux là-dedans de ce let's play. Mais je kiffe. Il est trop chou! Bah voilà. Voilà, il y a même Mathieu qui vient lui souhaiter bon anniversaire. Tan tan tan! Ok, donc Nathan il a vieilli, il sera amateur d'art. Est-ce que ça m'étonne? Non, parce que du coup il y a ses parents qui sont dedans. Donc en voyant des œuvres d'art, ils peuvent admirer ces dernières et discuter. Ok. Bah du coup dans la créativité. Hein. Oh, il est trop badass! Oh, il a. Oh, c'est trop cute! Il a les dents complètement à l'arrache. Tu peux ouvrir les yeux s'il te plaît? Ouais, non, lui, il a des yeux marrons. Donc, vraiment, sa mère. Je te jure, c'est abusé. Ah, ça, au moins, on sait que c'est bien sa mère. Hein. Donc, lui, il va direct faire ses devoirs. Et on va rester quand même au fait que ça soit à elle, donc. De s'occuper. Alors, l'écriture, de suite. J'ai vraiment essayé de speeder, ou vous, du moins, de couper un peu les parties qui sont pas intéressantes. Parce que c'est vrai que sinon, ça va vraiment être très long pour vous. Du coup, je vais donc répéter tout ce que j'ai dit juste avant, puisque visiblement, le son n'était pas coupé, mais il y a dû avoir une mise à jour, donc ça m'a viré les outils. Donc il a fallu que je remette tout. Donc je disais que donc là, on allait faire passer niveau 10 de l'écriture, bah du coup, là, niveau 9 de l'écriture pour terminer. Niveau de l'herboristerie, j'avais fini du coup de justesse. Le chant, on est niveau 10. Il nous reste à faire les compositions florales. Donc, comme je disais, ah, il se fait poursuivre, d'accord. C'est bien, c'est mieux qu'un chien de garde. On va avoir des plantes partout, je pense. Le tricot, on est niveau 10. Le bricolage, niveau 10. L'écriture, donc niveau 9. On va essayer de le terminer là. Charisme et jardinage, niveau 10. Cuisine, niveau 10. Peinture, violon, niveau 10. Et donc, on a l'entrepreneuriat, mais ça, c'était pas de base dans les règles. Si aussi vous voyez des différences dans les interactions, c'est normal puisqu'actuellement on est le 16 mars. Donc ce soir je pense qu'on devrait enfin avoir donc le nouveau pack Grandir Ensemble. C'est pour ça que je voulais au moins terminer ce let's play, enfin moi du moins de le tourner là. Pour comme ça je peux entamer demain le nouveau let's play, donc Perfect Life Challenge, qui commencera donc début avril. Donc la semaine normalement qui suit juste ce let's play, enfin let's play challenge, hein, vous l'avez compris. On a donc là avec comme let, j'ai pu avancer aussi en off parce que du coup sinon ça allait être trop long.
J'ai pu un peu avancer. Arrête de courir! J'ai pu un peu avancer du coup avec des poules. Bah là, Coq Noir, il a même pas de nom. Alors comme ça, c'est fait. Wright, il va s'appeler. Ok, Wright, on lui a très peu parlé. La Clara, n'en parlons pas celle-là. Donc on a Omelette, c'est bien parti. Cricket, du coup, bah, on n'a pas vraiment commencé. C'est Kentucky, je crois. Ouais, Kentucky, faut qu'on améliore un peu. Et Nuggets, voilà, normalement je crois on devrait en avoir 2-3, je sais plus les comptes là. Qui avance. Ah, on peut redéposer un morceau, yeah! Donc va en même temps. Oh, envoyer une copie du livre à la revue littéraire apportera d'importants droits d'auteur de façon quotidienne. Cette interaction ne peut être effectuée qu'une fois par semaine. Bah vas-y, bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait besoin de. Après, est-ce que c'est comme les éditeurs, on touche en continu ou juste une fois? Hein. Mais madame, vous allez où pour faire la composition florale? Pourquoi vous montez alors que c'est en bas? Et oui, donc les lapins, ça va être trop chaud. Je sais que de toute façon, on était amis avec. C'était un lama, je crois, de souvenir. Ouais, on avait un lama coton. Je sais plus si on avait pris une vache, je pense pas. Mais au moins, on était amis avec. Vous soyez une dame. J'espère en vrai que la composition florale ça augmente vite, sinon je vais prendre avec les livres. Elle va bûcher les livres. Pardon, que 200. Morceau déposé. Avec un peu de chance, la revue littéraire va adorer le travail de Jeanne. Vous ne pouvez envoyer des livres qu'une fois par semaine, mais les droits d'auteur quotidiens seront plus élevés que si vous éditez des ouvrages. Ok, ouais, donc on a quand même les revenus. Ok, c'est cool ça. Ouais, t'as raison. Va dodo, parce que là. C'est compliqué! Eh ben d'accord. Elle veut pas aller tricoter sur la chaise, par contre, elle va manger sur la chaise. Chercher les rures. Alors, j'aimerais bien du coup qu'elle aille à nouveau écrire. Mais. Oh, dommage. Bon, elle va faire un roman policier. Non. Pas un roman policier. Elle va faire un machin de fantaisie. On va faire un peu sur toutes les espèces. Oh, c'est pas Kentucky? Ouais, voilà, je pensais à Omelette, sinon. Faut qu'on arrive à. Bah, justement, après qu'elle aille écrire. Elle va aller parler au Poupoule là. On va donner le titre de Secret de sorcière. Par contre, je suis en train de me dire là, Coco il est parti dormir, mais est-ce qu'il a fait ses devoirs? Tu manges pas. Il te reste 4 minutes pour faire tes devoirs. Voilà. Putain, si je drive pas, lui c'est. Oh, l'école ça va être quelque chose. Hein. Pouh! Non mais non 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 tu fais pas tes devoirs maintenant au lieu d'aller à l'école hein. Fada. Ça promet la semaine. Les où? T'as bugué Mati, t'as pas honte? C'est bon, il retourne se coucher, Edouard. Ah non, tu vois, je suis une mauvaise. Ah bah tiens, toi que t'es là. Oups là. Parce qu'on sait à quel point tu aimes aider ta femme. Non, Douda, le. Ouais, on va le sermonner. Mince alors. Bon, ah oui, alors par contre, les gars, tous les nouveaux zoos là, The. Non, hein. Parce que d'ailleurs, bah, c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que j'ai fait. De quoi malheureux? Bah, très ferme, mais t'es seconde. Tous les nouveaux là. Par exemple, Wright et Coucou, je crois. J'ai pas m'éclater à créer des liens, hein, parce que sinon on s'en sort jamais, vu qu'il y a tout le temps des naissances. Bah d'accord, je dis oui, ça, non, ça veut pas, ça répond pas. Bon. Droit d'auteur, crime et cornichon, ok. Hey, devoir de vampire, hein, il y a tout jamais, ça rapporte. Quoi? Je m'en fiche. Je sais pas où ça en est de l'amitié avec les poules. Enfin, je veux dire, à partir de quel moment on est amis? Parce que là, Omelette, on a bien avancé, hein? Ah bah, on est amis, c'est bon, ok. Bah, déjà, une de faite, Omelette. Là, on va s'attaquer à Nuggets. Donc, il faut. Ouais, un chouïa plus. Ah bah, d'accord. Ok, on va essayer de soudoyer Nugget. Qui tout cotin? C'est bon, on est amis avec Nugget. Allez, next. Donc on avait dit pas coucou.
On va faire avec Kentucky. Je crois que c'était... J'ai vérifié hein, dans les poules qu'on a, mais il me semble que c'est les trois anciennes qu'on avait. Je sais, franchement, c'est horrible. Je me souviens même plus des premiers qu'on avait. Parce que je crois pas que ça soit les tout premiers, mais c'est pas les tout derniers, ça c'est clair. Mais pourquoi dès que je veux vous parler, vous partez? Je crois pas, non? Tu restes là? Mansavine est en train de se barrer. C'est bon! On est amis avec Kentucky! Ok, donc omelette, Kentucky, c'est bon. Et après... Doodle, on est amis. Mathie aussi. Ok. Je pense que pour les animaux, c'est bon. Alors, par contre, je sais plus. Ou je crois peut-être sur l'ordinateur. Pour acheter les livres. Ou peut-être pas, finalement. C'est peut-être... là, dans le shopping. Je sais pas du tout. Si je fais livre. Ouais, non. Je sais pas. Où est-ce qu'on achète les livres de compétences déjà? Commander peut-être. Acheter des livres. On va faire compétences. Hop! On a l'archéologie, le bien-être, bricolage, charisme, composition. On va prendre ça et ça. Ça, je préfère vraiment qu'elle bûche les livres. Quitte à ce que derrière, elle, on ne fasse que de la... Ah, niveau 2 de faculté sociale, tiens. Pour Nathan, quitte à ce qu'elle derrière ne bûche que les plantes. Doodle non. C'est abusé. Oh. T'es pas une poule. C'est abusé. C'est quoi ces lapins là? Dis donc, t'es pas censé être en train de... Ouais, de lire, hein. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle augmente sa compétence. C'est peut-être trop haut pour elle. Parce qu'elle est niveau 3, hein. Ouais, niveau 3, c'est peut-être trop. Attendez, je vais refaire commander, mais le premier livre. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle apprenne grand-chose, là. Mais Edouard, tu m'étonnes que les plantes, elles crèvent. Les plantes, les poules. Mais elle veut pas mettre à manger. Qu'est-ce qui bloque encore? Bon, j'ai avancé le poulailler. Peut-être que... Ah, parce que du coup, elle avait même pas pu aller nettoyer le poulailler ni rien. Tu peux y aller, là? Merci. Donc tu vas ramasser les œufs. Tu vas mettre plein de nourriture, parce qu'on les gâte, notre petite poule. Et nettoyer. Hop, madame. Julie? Ouais, des œufs qui peuvent éclore tout le temps. Tant qu'elle mange la brioche aussi, si on se la fait pas piquer par Doodle. Ok, donc ça fallait bien le... Bah Nathan! Mais ça y est, tout le monde se déchaîne là? Tu te souviens qu'on avait parlé de juste une petite, bien j'ai eu un rencard avec elle, c'était très sympa. Je vous dis, de toute façon, c'est un char ou le père hiver. Il date tout le monde. Composition florale. Ouais, donc je disais du coup qu'il fallait bien le premier livre. Après là, il y a les croquettes. Il y a des croquettes partout. Ok. Allez, madame, passe niveau 4. Ça semble encore un peu loin. On a la culture salvadoradienne aussi. Bon, le choper quand? C'était pas juste avant, je crois. Allez, va manger, va dormir. C'est abusé, ça. Ouais, on va faire... Non, je vais nettoyer. Ah, nettoyer, on ressort pas de boisson, parce que pour ce qu'on en prend... Hop, et comme ça, elle va aller vraiment dormir, parce que je l'ai réveillée, elle était à la moitié. Donc là, ouais, on va bûcher l'écriture et le... Il est où? La composition florale. Hein. En vrai, dans ses compétences, il nous reste ces deux-là. T'aurais pu faire un effort, meuf, quand t'as nettoyé. Enfin, je sais pas, nettoie tout. Donc on va... Ouais, essayer vraiment de faire à fond ses compétences. Comme ça, après...
Tout est bon. Il en est où, lui, d'ailleurs, du jardinage? Savoir si jamais il peut vendre à notre place. 7, non? Ouais, après, tout vendre. Allez, de toute façon, on n'est pas à ça près, hein, niveau argent. On a Doodle qui va dans la pièce de sa maman. Nathan, s'il te plaît, au lieu de faire ton sport, tu vas faire tes devoirs. Fais pas genre, là. Allez, Zou, va travailler un peu. Et tiens, d'ailleurs, on va faire genre le fils parfait. Tu iras mettre la table avant que ta mère se réveille. Ok, donc elle est réveillée, elle va aller tout vendre, elle prend son bain, elle va jeter la nourriture dégueu. Ah, non mais pour une fois qu'il a fait ses devoirs, non, Nathan est malade et du coup il faut qu'il reste à la maison. Ça t'arrange, hein? Oui, bon après il a les rayures, c'est peut-être sa mère qui lui a filé. En vrai, on va libérer la place en haut. Là pour ses dessins. Après, il se drive tout seul, mais il est dans le vert, hein, niveau des besoins. Ok, donc là, elle a fait la majorité des choses. Donc elle va manger. Et après, elle va retourner à son... Voilà, qu'est-ce qu'une fleur, etc. Là, sa composition... J'arrive plus à parler, sa composition florale. Omelette, il se fait vieux. Il va bientôt clapsouiller. Bah là, on va vendre un éditeur pour le coup, là, Secret de sorcière. Et après, elle ira continuer. Ouais, vas-y, on va acheter un ticket de loterie aussi. On va refaire un livre. Fantasy. Là, cette fois, on va faire sur les loups-garous. Ah, elle va passer niveau 4. Bon, tout ce qui est pierre, là, je vais le virer. Hein. Oh! La maîtresse des corbeaux. Non, j'avoue, j'adore le titre. Bah, je vais le laisser. On fera les loups-garous après. Hein. Genre, la maîtresse des corbeaux. C'est trop classe. Oui, Doodle. Mon petit Doodle-aîné. Où est-ce qu'elle a mis le livre? Où as-tu mis le livre? Mathie, t'abuses, t'as de la bouffe partout. Voilà. Pourquoi j'ai le... Je sais pas. C'est pareil, une fois mangé... Mais ça va, c'est la fête là, vous êtes en train de vous affoler. Et oh! Et là, il ira dormir dans son coussin. Enfin, elle. Edouard. Il va bah, aller se prendre un bain en mousse. Il ira nettoyer. Il ira dodo. Il mangera plus tard. Hein. Non, toi, mon petit, par contre, je sais pas, va jouer dehors. Va jouer avec les poules. Je sais pas ce qu'il fait. En vrai, est-ce qu'il pourrait pas jouer avec Mathie? Qui est je ne sais où. Mathie? Où est-ce que tu t'es barré encore? Là. Voilà, comme ça, il va s'occuper de Mathie pendant que sa mère, elle bosse. Et que son père reprend soin de lui. C'est mieux quand je finis mes phrases. Ah oui, il fallait que je cherche son livre, là. Moi, j'étais en train de m'occuper de la relation du petit avec le chien, mais je cherche pas le livre. Elle m'a mis où, là? Là. Trop forte! Ah! Elle l'a. Bon, bah non, alors si c'est relire, c'est qu'elle a terminé. Donc on va passer au niveau 2. Je crois pas qu'elle soit passée au niveau 4. Bah non. Bah madame. Normalement, ça va pas compter, hein. Je sais pas. Sinon, on fera une composition florale. Et on est à la moitié de l'écriture là. Mais madame, on va commencer à lire. Je sais pas où vous allez partir. Dans la chambre. Je crois pas qu'elle apprenne. Non, elle apprend rien. Mais meuf, t'étais dans ton lit. Il y a le deuxième livre dedans, non? Pourquoi tu redescends? Il y en a qui ont la bougeotte, hein. C'est un truc que je comprends pas. Regardez où elle se barre. Ah oui, mais non, oui, c'est normal. Il y a l'autre livre. J'ai rien dit. Eh bé! Mais quoi? Elle va nous passer les piliers comme ça, hein, parce que sinon... Enfin, les piliers, les paliers. Pouh! Et enfin, niveau 4, donc elle peut désormais créer des compositions avec des personnages d'Élise, des roses de Noël. D'accord. Elle peut également parfumer ses compositions avec des marguerites et des jacinthes. Ses compositions florales de niveau 1 seront aussi de meilleure qualité. Oh! Mais je crois qu'elle a un problème, elle veut pas lire les livres.
Ça va être compliqué. Où est-ce qu'elle me l'a mis encore? Je crois qu'elle a un problème avec ses livres. Meuf, tu vois? Je comprends pas. Bah non, c'est bien avec celui-là qu'elle augmente. Bah alors? Qu'est-ce qu'il me fait? Par contre, les gars, c'est bien de sortir toutes les brioches, mais bon, ça serait bien de les faire venir aussi. Enfin, les laisser là et les pourrir, bof. Pas trop fun, hein. Bah, mais du coup, vu qu'elle refuse de lire les listes, c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment douiller au niveau des prix, puisqu'on va devoir faire plante sur plante, là. Bleh, je sais même pas où on va les mettre, on va peut-être les vendre directement. Bon, du coup, en attendant, elle va faire hop, son livre, en espérant que ça termine du coup l'écriture. Alors, j'ai toujours la recherche du deuxième livre, hein. Mais qu'est-ce que vous avez à être chez moi? Pourquoi la gardienne, elle a un doute sur la sécurité des bébêtes? C'est quoi ça? Fais attendre. D'accord. Bon, j'en conclus qu'elle est passée niveau max. Je sais pas pourquoi il nous sort tout ça, ouais. Niveau 10, du coup, de la compétence écriture, ça c'est cool. Donc elle pourra écrire sa biographie. La sorcière la plus redoutable. Edouard, aide-nous, parce que là, c'est un peu la mouise, s'il te plaît. Je sais vraiment pas où elle a laissé le deuxième livre. C'est abusé. Ouais, vous voyez, dans trois œufs qui vont éclore, je vous avoue, j'ai pas m'éclater à faire ça. Hein. Par contre, l'orage dans cette game. Mais l'orage! Tous les jours! Mais c'est pareil, vous savez pas faire la vaisselle? Genre... Oh! Bon, les œufs qui vont éclore, désolé, mais 4 œufs là, ça va. Je trouve pas le deuxième livre, je sais vraiment pas où elle l'a mis. Et voilà, niveau 5, donc avec des. Elle peut faire maintenant des compositions avec des orchidées, elle peut parfumer ses compositions avec des roses et des dahlias. Ses compositions florales niveau 2 sont aussi de meilleure qualité. Ok. De toute façon, je vais lui faire que du niveau 4. Hein. J'ai l'impression que. Enfin, ou 5. J'ai l'impression que ça le fait augmenter plus vite. Enfin, après, c'est peut-être juste une impression, hein, mais. Les gars, c'est fini pour Omelette. Omelette, adieu. Les autres poules, elles sont absolument pas inquiétées. Elles sont en mode vraiment, je m'en fous et contre-fou. Omelette. Oh putain. Waouh. Ça fait peur ce hein. Waouh. Et c'est donc sur cette image qu'on va s'arrêter. Alors après, bon, je vais vous montrer comme quoi elle est bien arrivée donc au niveau 10 de la compétence composition florale. J'ai un peu continué en même temps en off. Parce que bon là, ça allait pas être intéressant pour qu'elle fasse au moins une biographie. Donc comme ça, elle l'a postée. Comme vous avez pu voir, notre pauvre Omelette, clap souillé. Là, je l'ai lancé refaire un peu quelques petites décos. Donc ça a pris peut-être un peu plus de 2 jours. J'ai pas fait gaffe quand est-ce qu'on avait recommencé. Et donc voilà, composition florale à 10. Je sais pas si d'ailleurs elle a eu le temps. Parce que je lui ai demandé d'augmenter son humour. Comédie, non, je pense pas. Bon, elle a dû... parce qu'à un moment, je sais que j'ai le truc qui a freeze. Donc, bon. Bon, voilà, donc notre Let's Play Challenge se termine ici. Donc, j'espère quand même qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi si vous voulez que je vous partage quelque chose. La famille est donc déjà dans la galerie. Bon, sans l'enfant, sans Nathan, puisque j'avais partagé juste avant. Pareil, me dire si vous souhaitez la maison ou pas, comme ça vous pouvez même complètement la réaménager. J'ai hésité à rajouter des détails, mais je pense que ça serait trop en un sens. Donc voilà, j'espère donc que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour les... Merci. Pour les... Merci. Pour les prochains let's play donc et challenges qui vont arriver, j'ai pas mal d'idées en tête. Et moi je vous dis bye bye.